avec... Faites du bruit pour Jean-Pierre Adriel. Yes. Premier barback rider des équipes blues. Et là, le deuxième, c'était Kevin Mulder. C'est le troisième, Luis Minotti. Alors maintenant, Mike. Ouais. On va passer au point. Au point express. Il y a la remise de la boucle en barback riding. Champion de... Il monte le taureau Messi. Il appartient au 3B Olivier Bourillon. Mais non. Et il a 63 points, Marco. Il va jouer sa qualification pour le podium. Il a 63 points, Marco Piazza, qui monte le taureau Messi. Vous pouvez observer le calme du taureau dans la chute. Le musée Sandrine. Let's go! Hey! Wow! Hey! Wow! Woo! Attention! Hey! Long score pour ce camp! Long score pour ce cowboy qui montait le tour Messi! Je vous rappelle de ne pas rester à côté des barrières, s'il vous plaît! Conrad, il nous vient de Pologne! Il monte le taureau Brown! Attention. Il a lui aussi 63 points. Il est dixième. Il est dixième sur le podium. Il monte. Brown. Let's go. Allez, on courage. Yeah. Allez. Woo. Allez. Oh. Aïe, aïe, aïe. Alors, j'ai pas bien vu. Et s'il a scoré ou pas là? Ah, je sais pas, Mike, s'il y a un score, mais c'était pas loin. Ouais. C'était pas loin, je pense. Il nous vient de France. Il est français, Bélin. Yeah. Et il monte le taureau SmackDown. SmackDown. Du 4S Ranch. C'est le père du petit taureau qu'on a eu en démonstration tout à l'heure. Le père du petit taureau qu'on a vu tout à l'heure en démonstration, il est là. SmackDown, magnifique taureau du 4S Ranch. Et c'est Melvin Obony qui le monte. Allez, c'est parti, Melvin. Let's go. Regardez ça. Oh, oh, oh. Magnifique taureau, ça. No score pour ce cowboy. Là, je sais qu'il est pas content, là. Et c'est Hugo Damien. Hugo Damien. Il nous vient de France. Il monte le taureau qui s'appelle Redskin. Ce taureau est du Bucking Ranch. Propriétaire Laurent Villa, magnifique taureau Redskin. Je vous rappelle que il y a les meilleurs cowboys, les meilleurs taureaux. Et bien entendu, les taureaux seront récompensés aussi par la société Géniale. Taureau Génial, aliment pour animaux, pour bovins, qui récompense les trois meilleurs taureaux des équipes blues. Un trophée pour les trois meilleurs qui est offert par la société Géniale. Et c'est Damien Hugo qui va sortir sur Redskins. Bucking Ranch. Il a 69 points, il est 8e. Et il nous fait 6 points. Hey! Parce que je pense qu'il y a un score là. Ah bah oui, hein. Il s'appelle Simon Verslovski. Et il monte Bloody Sunday. Bloody Sunday du Bucking Ranch. Simon Verslovski. Il monte depuis 11 ans. Et Simon, dans la vie, il est cascadeur. Il est venu là pour les chutes. Voilà, il est venu là pour les chutes, c'est ça. Il est champion all-around, Euro-Rodeo, les cowboys all-around. Cela veut dire qu'ils sont aussi riders sur des chevaux et riders sur des taureaux. On appelle ça des cowboys all-around. Simon, let's go! Let's go! Allez, sur Bloody Sunday! Wow! Allez! Woo! Oh non, bon score! Wow!
Magnifique taureau, Bloody Sunday, qu'elle a fait voir à Simon Laskolowski. Il monte Geronimo. Un taureau qui n'est pas facile du tout, vous allez voir. Les bullfighters le connaissent. Geronimo aime bien s'amuser avec les gens qui sont devant lui. Enfin, on va s'éloigner, hein, William? T'as raison. Pourquoi t'as peur? Non, je n'ai pas peur, je me méfie, Mike. Oui, mais c'est marrant parce que plus tu te méfies, plus je te vois là-bas. Oui, les poteaux, c'est les degrés de méfiance. Ah, d'accord. Ouais. Plus il y a de motos, plus il y a de poteaux, plus je me méfie. Ok. Mais j'ai pas peur. Voilà, on est loin, on est bien là, tu vois. Un Tintin. On est bien, bien. Tintin. Voilà, prochain taureau à sortir, Geronimo, qui appartient à Olivier Brouillon du 3 Béranche. Monté par Mathieu Lopez, qui a actuellement 71 points. Il est sixième. Attention. Sixième. Alors, on peut remarquer que Mathieu a choisi de monter sans casque. Let's go! C'est pour lui! Allez, Mathieu! Wouh! Allez, allez, oh! Oh là là! Ouh là 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 là! Oh! Allez, on travaille, Bullfighter! Ouais! On peut applaudir les Bullfighters, c'est venu! Le courage des Bullfighters! Magnifique travail des Bullfighters pour éloigner le taureau! Crash test! Avec le nom, ça fait peur quand même. Hein. Oui, un crash test, moi en principe, j'y vais pas. Ouais. Et bien, ce corbeau, il va monter ce grand coup qui s'appelle Crash Test en Saddleboard Riding. Pietro à 62 points, il est 5e. Attention. On va encourager très fort en Saddleboard. Ah, ouais, faut faire du oui là. Let's go! Let's go, on boit! Score là, non? Ah, je pense, Mike. Je...